Et pour notre plaisir, l'une des toutes meilleures Gildas, sinon la meilleure avec Élodie Lussac, eh bien c'est la championne de France Laetitia Béguet de Monaco à la poutre. Et là, nous avons la chance d'avoir l'une de ses compagnes au micro, c'est-à-dire Isabelle Severino, qui va apprécier de plus près son évolution. Absolument. Tous ses débuts, elle a fait un mouvement qui était vraiment inhabituel à la poutre, qui est vraiment d'une rareté qu'on peut dire exceptionnelle. Voilà. Et donc là, elle va enchaîner sa série de trois éléments. La grande tirée sur la poutre, avec un petit déséquilibre. Voilà, elle rattrape. Très bien. Elle enchaîne avec la chorégraphie, les sauts qui sont obligatoires sur la poutre. Avec une expression qui est bien à elle. Et un flip arrivé, les jambes écartées sur la poutre. Aussi un tour, un bon élément chorégraphique. Et comme la musique accompagne cette évolution d'une minute 15 à la poutre, eh bien, c'est d'autant plus artistique. C'est vrai que nous ne sommes pas en compétition. Et c'est la raison pour laquelle, sur ces images-là, eh bien, la poutre devient encore plus spectaculaire. Laetitia Béguet, donc, qui vraisemblablement, aux Jeux Olympiques d'Atlanta, sera au plus haut niveau de son talent.